Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonskoban. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, cliquez à s'abonner, vous activez la cloche, ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo. Nous allons faire une vidéo pour vous dire comment trouver, pour vous apprendre comment trouver une bonne femme. Et on a défini qu'est-ce qu'une bonne femme. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer maintenant aux hommes. Ou encore de montrer aux femmes comment trouver un bon homme. Voilà. Comment trouver un bon homme? Et c'est qui un bon homme? Un bon homme là, pour vous là, ce n'est pas un homme qui est sexy, comme vous l'appelez. Ce n'est pas un homme qui est beau, qui est attirant. Non. C'est celui-là même là. Un bon homme là, c'est celui-là même qui a la crainte de Dieu. Un bon homme là, c'est celui-là même là qui respecte les femmes, qui respecte tout le monde en général, qui cherche à plaire à Dieu, qui a deux éléments en lui. La sagesse et l'intelligence. S'il est sage, vous êtes sauvé. Mais si elle est insensée, vous êtes dans la merde. Si il est intelligent, Dieu va se réjouir. Parce que cet homme va abandonner le mauvais chemin pour venir sur le bon chemin à chaque fois. Sous l'appui même de la sagesse à côté. Un bon homme là, c'est celui-là même qui a la crainte de Dieu. C'est ce qu'il vous faut. On ne cherche plus des gens qui sont sexy. On ne cherche plus des gens qui sont comme ça, qui sont comme ceci. On ne vous dit pas que être beau là c'est mauvais. On ne vous dit pas que être beau là c'est dangereux. Nous sommes en train de vous dire qu'aujourd'hui là, un bon homme là, voici comment il est. Voici ce que ça représente. Est-ce que vous retrouvez ces caractéristiques là? C'est celui que vous voulez choisir comme votre homme. Et puis, ce n'est même pas vous-même de choisir votre homme. Hey! Ce n'est même pas aux femmes de dire ah, celui-là c'est le bon, je l'ai choisi. C'est les hommes eux-mêmes qui viennent vers, mais pas vous. J'hallucine ou quoi? Hey! Alors, c'est le monde à l'envers ou quoi? Ou bien c'est le monde à l'envers? Ok, je vais vous l'expliquer. Quand un homme vient vers vous là, c'est vrai, hein? L'homme là doit venir vers vous. Mais il faut détecter les éléments dont on vous a dit là pour reconnaître en lui le bon homme. Ça c'est physiquement. Hein? Mais, waouh! Ce n'est pas à vous de chercher à trouver le bon. C'est le bon homme qui doit vous trouver. Ça veut dire que vous devez vous laisser trouver par lui. Et vous devez provoquer en lui le désir de vous trouver. Ou encore de vous choisir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que vous devez être une femme qui a la crainte de Dieu. Ah, une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est qui? C'est cette femme-là même, cette femme-là, qui respecte tellement Dieu, qu'elle est prête à tout. Pourquoi? Elle est prête à tout pour plaire à Dieu. Et si elle plaire à Dieu, si elle plaire à Dieu, elle va forcément intéresser quelqu'un. Ou encore Dieu va parler d'elle à son homme. Parce que, vous savez, les vrais hommes là, qui cherchent des vrais hommes, les vraies femmes qui sont dans l'église là, quand ils arrivent dans l'église maintenant là, vous savez ce qu'ils font? Ils demandent à Dieu. Certains vont même voir des voyants. Vous dites, cette fille, elle va aller vers elle. Est-ce que c'est une bonne fille? Voyons, il faut voir son état d'âme. Il va regarder, spirituellement parlant, s'il vous voit que vous vous habillez sexy, vous ne respectez même pas Dieu, vous avez beaucoup d'hommes dans votre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous choisir.
Donc, il faut être exemplaire. Il faut être bonne. Il faut être une bonne femme physiquement et spirituellement. Une bonne femme physiquement et spirituellement. Ah! La crainte de Dieu qu'elle a là, la parole de Dieu qu'elle a là, c'est là pour nous aider. Aujourd'hui là, à l'église, il y a de faux hommes. Hein, pour les femmes. Celles qui veulent trouver un homme, qui veulent voir, tester si celui qui vient vers elle, c'est le bon. Là. Voici des indices, ça va vous aider. À l'église là, si tu es à l'église, toi, si toi ma soeur qui regarde cette vidéo, tu es à l'église et tu cherches quelqu'un de bon qui va venir vers toi là. Sache qu'il y a des mauvais aujourd'hui qui sont à l'église. Et que tu ne peux pas trouver que de bon à l'église. Parmi les hommes qui sont à l'église là, qui vont venir vers toi là, il y a plein qui sont mauvais dedans. Il y a même des sorciers. Il y a même des sorciers dedans. Il faut qu'on vous le dise. Il y a même des mauvaises personnes, des mauvaises personnes. Des personnes qui sont là spécialement pour détruire la vie chrétienne des femmes qui sont dans la chorale, les filles qui sont dans la chorale ou encore à l'église. Eux, ils sont là spécialement pour ça. C'est leur travail. Ils viennent à l'église pour promettre aux filles de les marier. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à marcher ensemble, vous êtes dans les fiançailles, et il va vous proposer de coucher avec vous. Ces telles personnes-là, ce sont des mauvaises personnes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que le sexe là, c'est pour les gens qui ne sont pas mariés? Le sexe est uniquement pour les hommes mariés, les personnes mariées. Vous n'êtes pas encore marié, vous êtes seulement fiancé. Et ils vous proposent du sexe, il y a un problème. Comment vous allez détecter le bon homme? Voilà. Comment vous allez trouver en celui qui vient là quelque chose de bon? Comment le reconnaître comme le bon? Interrogez Dieu. Dieu lui-même va vous révéler en songe ou dans sa parole de Dieu qui est le bon. Parce qu'aujourd'hui là, les simples actions des hommes là ne sont plus suffisantes pour connaître leur état d'âme. Il faut que Dieu vous révèle qui ils sont en songe. Voici un sataniste qui va connaître une fille. Et cette fille-là, elle va à l'église. Comme elle va à l'église, elle se dit que elle peut amener cet homme-là à changer. Donc, elle a amené cet homme à l'église. Lui, il lui a dit tout simplement que lui, il est baptisé, confirmé, cimenté, arrosé. Voilà. Voilà. Lui, il est tout ça. Donc, elle a cru. Elle s'est dit que c'est le bon. Et un jour, elle est arrivée à l'église et elle a présenté cet homme-là à son homme de Dieu. Ça, c'est une bonne chose à faire. Présentez cet homme-là à votre homme de Dieu. Si cet homme de Dieu là est bon, là, ou encore il y a la prière à l'église, là, vous allez voir ce qui va se passer. Voici ce qui s'est passé au niveau de cette fille. Elle, à l'église, là, quand elle a exposé, elle a présenté son homme-là à son homme de Dieu. Après, les hommes de Dieu sont rentrés en prière par rapport à cela. C'est-à-dire qu'ils ont touché ce sujet-là dans les prières. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, là, Dieu leur a révélé l'état d'âme de ce monsieur. Et Dieu l'a révélé que cet homme-là, c'est un grand sataniste. Celui-même qui nous a raconté ce songe-là et cette histoire-là, c'est lui-même. Il s'appelle Pasteur Jonas. J'ai cherché cette vidéo-là sur Nuance Reborn. Cette vidéo fait partie des vidéos populaires de Nuance Reborn. Regardez son témoignage. Il y a plein de témoignages de cet homme là-bas. Dieu a révélé aux hommes de Dieu que cet homme-là, c'est un grand sataniste même qui est là. C'est un sorcier. Hey! Comment vous n'avez pas pu voir ça? Et quand Dieu a révélé toutes ces informations secrètes aux hommes de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Les hommes de Dieu là, ils sont venus maintenant vers cette fille. Et ils ont dit à cette fille, voici l'état d'âme de celui avec qui tu veux te marier là, qui est là. Hey! Vous savez ce qu'elle a fait? Elle allait elle aussi raconter à cet homme-là ce qu'elle a vu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est arrivée la nuit chez lui et elle dit, ah, nous sommes ensemble il y a longtemps.
Mais pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu es? Qui je suis comment? Et pourquoi tu ne m'as pas dit qui tu es vraiment, ta vraie personnalité? C'est-à-dire ton état d'âme là. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Il dit, aïe, moi je suis un frère chrétien. Un frère chrétien. Je suis même baptisé, confirmé, cimenté, arrosé à l'église. Je suis même scout. Hey, vous savez, hein, les satanistes là, quand ils veulent se cacher là, ils utilisent l'église catholique pour mettre ça sur le dos. Ils vont vous dire qu'ils sont baptisés, confirmés, cimentés, bon, tout ça. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Ah, et lui dit, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est là maintenant qu'elle va lui révéler son état d'âme. Elle va lui révéler ce qu'elle a entendu, ce que les hommes de Dieu ont dit. Et lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va descendre à l'église là-bas la nuit pour attaquer qui? Les hommes de Dieu. Ou encore l'église de Dieu. Mais quand il est descendu là-bas la nuit, là, c'est-à-dire quand il s'est transformé, il est arrivé là-bas spirituellement pour essayer de les attaquer. Vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de voir une maison comme la maison qui s'est tout derrière, on se suit. Vous savez ce qu'il a vu? Je suis un peu perdu. Il a vu un fleuve. Le taxi a fait. Un fleuve, mes frères et sœurs. C'est un fleuve qu'il a vu à la place de cette maison. Qu'il est revenu le matin à la même place, physiquement, pour voir est-ce que c'est réel ce qu'il venait de voir. Ah! Il a essayé plusieurs fois, il a échoué. C'est après sa conversion, il a dit à cette fille ce qu'il avait vu et aux hommes de Dieu. Ce qu'il s'apprêtait à faire. Parce que quand un sorcier décide de sortir de la sorcellerie, il faut qu'il se confesse. Il révèle tout ce qu'il a fait à tous ceux à qui il a fait du mal. Et même à ceux à qui il voulait faire du mal. Quand il arrivait chez les hommes de Dieu pour leur dire, voici comment vous étiez spirituellement parlant. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. En fait, les sorciers là, eux, ils peuvent vous voir. Eux, ils peuvent voir qui vous êtes. Ils savent la force qu'a celui qui prie. Ils savent la force qu'a celui qui prie. C'est pourquoi vous allez les voir physiquement. Ils vont s'unir pour vous combattre. Mais n'ayez pas peur. Foncez! Car là, devant vous, toutes de belles choses. Cette fille-là a exposé son problème aux hommes de Dieu. Pour chercher tout simplement à savoir si l'homme avec qui avait s'unir, là, c'est le bon. Et vous voyez ce que Dieu a fait. Dieu a révélé l'état d'âme de cet homme. Ce n'est pas à vous de choisir votre homme. Mais vous pouvez les détecter ou encore les analyser. C'est comme des dossiers qui viennent vers vous. Ou les femmes là. C'est comme des dossiers qui viennent vers vous. Vous déposez ces dossiers à cette table. Vous prenez le scanner de Dieu. Vous prenez le scanner de Dieu, mes soeurs, regardez. Prenez le scanner de Dieu. Passez le scanner de Dieu sur les diplômes là comme ça. Pour voir qui ils sont vraiment. Quel est leur état d'âme. Parce qu'un seul est le bon. Et c'est celui-là même qui sera pour vous. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Le diable envoie ses agents à l'église. Pour vous faire dévier de ce chemin. Si le diable sait que votre homme n'est pas loin de vous là. Et qu'il arrive. Il va envoyer un faux. C'est-à-dire, un faux va précéder cet homme-là. Et il aura des caractéristiques du vrai. Mais faites attention. Dieu peut vous révéler en songe encore son état d'âme. Nous vous donnons rendez-vous sur Instagram pour la prochaine vidéo. Si tu vas vraiment vous toucher, vous les femmes, et vous aider encore dans beaucoup de choses. Abonnez-vous à cette vidéo. Activez la cloche et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Que Jésus vous bénisse et que nous gagnions. À bientôt.